aujourd'hui c'était Noël dans la boîte aux lettres. Je viens de vous faire une vidéo avec tout ce qui n'avait pas à voir avec le diamond painting et il y avait au moins un petit colis. Et là j'ai deux grands colis de diamond painting. Donc on va ouvrir. Donc là, hop, celui-là il est bien protégé. Vous avez entendu péter, ça m'a fait peur. Oui, parce que c'est protégé par de la mousse. Non, mais par contre, là... je crois que j'ai pété un câble. À moins que le deuxième paquet, ça, c'est autre chose. Donc, c'est la toile de Fort Boyard, une des toiles qui me manquait pour la collection de mon fils. Donc, je vous la montre comme ça, et ce que je fais comme d'habitude. Là, je vous la montre comme ça, je vous montre ce qu'il y a dans le colis. Et après, je vous la montrerai à plat. Donc, c'est Rose EU to Step 1. Alors, pareil, Rose dit un machin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant, quand vous commandez, si vous allez commander, vous mettez juste avant de payer, en message au vendeur, Flora Charton. Ça vous donne droit à un petit cadeau. Vous allez avoir un petit cadeau et je pense savoir c'est quoi le petit cadeau puisque moi je viens d'en avoir un. Et du coup, et moi au bout de 10 toiles, ben, comme avec mon ancien vendeur, vous commandez et moi au bout de 10 toiles que je vous aurais vendu, enfin que vous aurez été acheté, moi j'aurai droit à une toile offerte, voilà. Et alors le cadeau, je pense que c'est un stylo que vous allez avoir, un joli stylet. Donc c'est un embout comme ça, un embout classique. Et il est trop beau, avec une queue de sirène et tout. C'est un poisson. Ah ouais, c'est un poisson. Attendez, je crois qu'il se détache de l'autre côté. Aïe, 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 il y a un mur. Vous voyez le mur là? Il vient de me donner un coup. Non, mais il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Hop là, j'ai démonté pour rien. Donc voilà. Mais par contre, j'espère que le reste, c'est les deux toiles qui me manquaient. Parce qu'elle devait me refaire les deux premières toiles qu'elle m'avait ratées. Allez, d'ailleurs, la taille, c'est la bonne ou pas? Ah non, parce que sinon, ça va pas aller. Hein. Alors, la toile, la taille, c'est la bonne. Donc, on va ouvrir le reste. Tiens, je te donne ça si tu veux aller chromatiser. Donc, tout le kit avec une pince noire, génial. Un stylet classique. Une barquette blanche. Pas mal de colle, ça va. Et quelques sacs qui doivent pas valoir grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Alors, par contre, je vais pas vous montrer les pierres plus que ça. Je vais pas pouvoir les sortir. J'ai une pierre qui se balade là. Donc, je sais pas s'il y a pas un sachet. Ouais, il y a une pierre là aussi. Et donc, la toile, c'est ça. Oh, je suis désolée, je viens d'avoir un message. C'était une qui me manquait pour la collection de Fort Boyard. Franchement, alors là, m'a bien fait du rond. Et sur la toile, c'est bien du rond aussi, j'espère. Oui. Donc voilà, donc ça c'est la première partie, voilà. Donc je suis un peu déçue si elle m'a pas fait les autres toiles parce que ça, je pense que c'est peut-être pas elle. Je sais pas. Donc ça c'est des DP aussi. Parce que j'attends des DP aussi de chez Hippostore. Donc est-ce que c'est Hippostore ça ou c'est elle? J'attends deux DP de chez Hippostore et bah du coup elle il y en avait trois donc j'en ai un mais j'ai pas les deux autres. Donc est-ce que c'est ça? Là je comprends rien là. Faut m'expliquer là, je comprends plus rien. Alors, attendez, on va mettre les pierres d'un côté. Oh, bien Dieu. Bien Dieu, j'ai la blende de kits. Alors là, c'est des kits tool. Colle, barquette, pince à neuneux et stylo. Attends, ma fille. Pareil, tu m'as piqué. Alors, attends, ils sont tous pareils, oui. Et il y a un embout quand même, un multiplaceur de 3. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est un autre vendeur. Donc c'est bien ce que je dis, elle m'a pas envoyé ce qu'elle me devait. Et ça je pense que ça vient de chez Hippo. Ouais, ça doit venir de chez Hippo.
Et oui, c'est de chez Hippo. Alors, je pense que chez Hippo, mes toiles vont être plus belles. Je pense que je vais voir pour me faire rembourser carrément les 3 toiles que je lui ai fait faire parce que à rose, la couleur est beaucoup plus nette ici. C'est moins dans les tons foncés. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Donc ça, c'est la dernière qui me manquait. Et l'autre... Alors, attendez. Et l'autre, c'est une toile mystère. C'est mystère, mystère. Ouais. Apparemment, on ne devine pas ce que c'est. Alors ça, c'est un personnalisé. Parce que en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut remonter dans les vidéos antérieures. J'ai commandé chez Hippo Store une toile mystère 25-25 et il m'avait envoyé Marie des Aristochats. Et en fait, on voyait direct ce que c'était. Et du coup, j'avais envoyé un petit message. Il m'a dit, bah, votre prochaine commande, je vous en remets un. Et du coup, j'ai pu choisir. Moi, je lui ai dit que je voulais un thème du jeu vidéo. Et bah, il savait pas. Donc, comme j'avais 2 commandes à passer, il me dit, bah, je vous en fais une en 25 par 25 et en mystère. Donc, c'est celle-là. Ça, c'est la mystère. Donc, pour la mystère, donc, il s'est pas trompé, Manu Duron. Donc c'est des couleurs comme ça. Mais de toute façon, je vous présenterai mieux. Et ça, c'est ceux de Fort Boyard. Donc c'est beaucoup de marron, de... Mais la qualité m'a l'air beaucoup mieux chez Hippo que chez elle. Quand on prend là, c'est très 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 foncé, très sombre. Et quand on prend chez Hippo... Ça n'a rien à voir du tout. Donc je vais voir avec elle. Je vais lui envoyer un message. Là, de toute façon, je ne suis pas contente. Donc je coupe. Je coupe et on se retrouve dans une vidéo. Je pense pas tout de suite parce qu'il est presque midi. On va aller manger. En début d'après-midi, je vous tourne la vidéo où je vous montre l'étoile. Voilà, à plat. À tout à l'heure. Alors voilà pour la suite. Donc là, j'ai le paquet de Hippo Store. Donc ça c'est la toile de Fort Boyard. Alors j'espère que je vais pouvoir m'en montrer parce que là... Je vais me mettre comme ça. Je vais vous mettre comme ça. Et je vais me mettre comme ça et je vais relever la caméra comme ça. On devrait pouvoir y arriver. Donc ça c'est le Fort Boyard de chez Hippo. Qui est beaucoup plus clair que... Alors, hop. Le papier est en 2 morceaux. Ça j'aime pas trop mais bon. Hop. Donc voilà. Hop. Alors est-ce que vous allez bien voir? Ouais, si je me mets là, vous allez voir. Hop. Ça, on va pousser. Donc voilà, je vais vous montrer. Peut-être même dans ce sens-là. Alors. Au niveau des symboles, c'est génial. Au niveau de la colle, ça colle super bien. C'est pas pratique. Je vais décaler la table parce que je suis au bord du mur. Du coup, pour vous montrer, c'est pas pratique. Et la deuxième... Ouais, une très très belle impression, une toile qui colle très très fort. Donc, et on voit très très bien, là il y a le tigre, il y a Perforas, il y a 2 personnages que je sais pas c'est qui. Voilà, on voit qu'elle est de très 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 bonne qualité. Je recommande ce vendeur. Et là c'est des pierres rondes. Là, par contre, je vais pas la rerouler. Elle va aller dans la pochette, rangée comme il faut. Alors voilà, dans ça, par contre, une fois que vous avez commencé à les ouvrir, pour remettre les 2 côte à côte, ça, c'est super compliqué. Bon, ça y est. Voilà, donc ça, c'est la première toile de chez Hippo Store. Et la deuxième... Et bah, et la deuxième, je sais pas. La deuxième, c'est une surprise.
C'est une surprise. Alors la deuxième, elle a... Je sais pas si... Alors par contre, chez Hypostore, le petit souci, c'est qu'il n'y a pas de... Comment ? Mince, comment dire ? De feuilles de route. Il y a 29 couleurs. Puis là, bah, je vais l'ouvrir d'un coup. Il y a 29 couleurs. Et ben, on ne saura pas ce que c'est, lol. Ah, peut-être que si. Je vais zoomer. Enfin, pas trop parce que... Voilà. Je ne saurais pas vous montrer, mais... On voit un petit peu. Un petit peu. Pour les connaisseurs qui me connaissent, c'est un peu possible de savoir ce que c'est le dessin. En tout cas, il a l'air d'être super sympa. Donc ça, je pense que c'est un de mes prochains défis. C'est un de mes prochains défis. Alors pareil, bah, la qualité de la toile, super. Au niveau colle, vous voyez, hein, ça colle. Ça, c'est de la colle. Donc, il ne restera plus qu'à faire. Au niveau des pierres, bah, je pense que je vous l'ai dit ce matin. Quand je vous ai pris ce matin, parce que là, du coup, c'est le soir. Ah bah si, il y a les feuilles de route, qu'est-ce que je suis bête. Si, si, il y a les feuilles de route, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Les pierres sont super jolies. Elles sont super bien taillées, donc je vous ferai le détail au moment de commencer la toile. Et sur celle-là, ben, il y a bien marqué que c'est caché. Et donc, par contre, pour la toile secrète, c'est dans les tons roses, c'est dans les tons jaunes, c'est dans les tons blancs. D'ailleurs, je suis même étonnée qu'il n'y ait pas certaines couleurs, mais bon, voilà. Et il m'avait mis 4 kit tools, donc un stylo classique avec un embout de 3, de la colle, une pince à neuneux et une barquette, voilà. Pour deux toiles, il m'en a mis 4, donc j'avais largement de quoi faire. Maintenant, passons à ce qui me paraît moins bien. Donc déjà, la vendeuse s'est trompée complètement. Elle a oublié de me remettre les deux toiles qu'elle devait me refaire. Alors, c'est Rose D.U. Toolset. Donc, elle... Ben, y a bien la feuille de route qui est là, hein, c'est ça. Ça me paraît très, très, très foncé par rapport à la Hypostore. J'avais le cadeau qui était le stylo. Pour avoir le cadeau, pensez à mettre Flora Charton. Après, je suis pas sûre, je vous recommande pas forcément. La pince noire que je vais custom. Le stylo classique avec la mousse. Il n'y a même pas d'embout ici. Un embout multiplacer. Les petits sacs et la colle. Et là, on va ouvrir la toile. Mais la toile, je sais pas si c'est juste la photo qui fait sombre ou si elle est vraiment sombre. Alors j'ai envoyé un message pour lui dire que j'étais pas très contente et qu'elle m'avait oublié des choses. Bon, reste à attendre sa réponse. J'ai pas eu de réponse. Mais bon, eux, ils travaillent la nuit. Hein. Donc, hop. Voilà. Donc la toile, elle a l'air d'être de moins bonne qualité. Elle a l'air de moins épaisse que Hippo. Ouais, j'ai peur que ça, c'est vraiment très très sombre. Par contre, c'est pareil, il faut tirer vraiment pour... Alors là, il y a des rivières. Donc là, déjà, mauvais point. Mauvais point. Alors, attendez. Je vous décale, je vous bouge. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, là à cet endroit-là, il y a des rivières. Donc déjà, mauvais point. Niveau de la colle, génial. Et je viens juste de la sortir devant vous, hein, je suis dégoûtée. Ce matin, je voulais pas je vous ai juste présenté comme ça, sans la sortir, sans la déplier. Alors franchement, je suis verte. Par contre, le papier est en un seul morceau, ce qui me paraît être génial. Là aussi, et là aussi une rivière. Ah, et bien là on la voit bien.
Là, il y en a une là et une en bas. Une là. Une là. Je suis vraiment sceptique. Vous avez mon code. Si vous voulez juger par vous-même, eh ben, allez-y. Mais je suis pas sûre que je vous le recommande. Donc là, on va ouvrir en grand. Donc là, ouais, moi je trouve, alors je sais pas un peu le rendu avec les pierres, peut-être que les pierres elles sont pas si foncées que ça, mais moi je trouve que c'est trop foncé. Les Mister Boo, donc lui c'est Mister, ça c'est Madame Boo, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Ah mince, vous voyez pas en plus, je suis en train de vous montrer l'eau. Mister Boo, Madame Boo, là c'est la famille Boo, ça c'est... Willy Rebelli, là je crois qu'il y a une. Là il y a une tête de tic qui est là. Et de l'autre côté c'est quoi? Je sais pas, là il y a un pupitre. Il y a un pupitre là. Donc c'est la famille Boo avec Monsieur Rebelli. Willy. Donc voilà, on est le même, la toile a l'air d'être plutôt. Bien, mais voilà, il y a une rivière là, il y a une rivière là, il y a une rivière là. Il y en a une de ce côté là. Et puis je sais pas, le marron me paraît très très foncé. Donc je sais pas. Les pierres, déjà de toute façon pour une tablette. Hein. Alors désolé pour le bruit. Alors attendez, parce que moi et mes deux mains gauches. Après, sur la photo, c'est pas si foncé que ça. Là, il y a la prison avec un gars dedans. Je sais pas vraiment quoi en penser. Je pense, je vais voir ce qu'elle va me dire. Et peut-être que mon prochain défi, justement, du coup, on a les 5 toiles, ça y est. Mais bon, il y en avait 2 qu'elle devait me refaire parce que c'était pas la bonne taille. Donc après, dès qu'on aura les 5 toiles, je pense que ça sera mon défi de faire les 5 toiles pour la chambre de mon fils. Donc pour ça par contre, je vous laisse juger vous-même. Oui, j'avais dit que je ne sortirais pas spécialement parce qu'il y a un sachet qui doit être abîmé. Il y a quelques pierres qui se vident. Non, après, quand on regarde les couleurs en elles-mêmes, là, il y a du marron qui est assez clair, du gris clair. Là, il y a un peu de noir, un peu de 939. Les couleurs de la toile sont pas... ça, c'est un marron qui est un peu foncé. Les couleurs en elles-mêmes n'ont pas l'air d'être très, très foncées. Il n'y a pas de si foncé que ça, donc je sais pas. À voir. Je vous laisse juger par vous-même, comme je vous ai dit. Moi, j'ai le code promo si vous voulez acheter chez elle. Vous passez commande et juste avant de payer, vous laissez Flora Charton. Vous aurez un cadeau. Je pense que le cadeau, c'est ça. Et voilà. Je vous fais de gros, gros bisous à tous et je vous tiens au courant de toute façon pour la toile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.